On va terminer les bans côté KS avec le blanc. Le blanc qui est peut-être encore une fois une menace trop importante hein, pour cette équipe des Capachos. On préfère l'enlever. On a retiré un Nautilus. Nautilus top lane. Le nom est plutôt sympa, effectivement. On a tout de suite first pick. Le Ryze. Le Ryze qui sera donc first pick. Ryze qui peut bien sûr être joué middle lane ou top lane. On a aussi vu des quelques Ryze jungle à l'époque. Et de l'autre côté, on va lock la Vayne. Tout simplement. La Vayne qui était déjà présente la game précédente. Et il me semble que c'est sur Foxmihard, hein, puisque Sarugorn, lui, lock le pick, mais par contre, il les supporte. Et on a lock un Maokai. Maokai, oui, qui n'a pas été ban, forcément, et qui sera donc concédé à notre ami I'm Maokai. Ce qui semble plutôt logique. Bien sûr à tous ceux qui arrivent. Hello à Vol. Salut bien sûr à Vol qui nous rejoint. J'ai une voix douce, et eh ben j'en suis très très content. Je suis ravi que si vous l'appréciez, c'est un bonus pour moi. J'essaie déjà d'être le plus performant possible, bien sûr. Et on est en train de pré-lock un Rengar. Allez, il faut nous sortir le petit Rengo. Le petit Rengo. Et ça sera pas le Rengo. On va lock un pic un petit peu plus secure, j'ai envie de dire, hein, avec un Ekarim jungle. On a pris aussi une Janna. Ça sera donc une Janna pour accompagner cette Vayne. Vayne qui va pouvoir être secondée merveilleusement bien avec évidemment les shields hein, qui vont bien temporiser, rajouter des dégâts. On aura aussi une moisson qui va permettre de désengager un petit peu, de temporiser les fights pour elle. Et décidément, dans ce tournoi, on aura eu énormément de Poppy top. Allez, ça y est, tous les picks sont réalisés. On a pris un Lee Sin qui était encore disponible en jungle. Lee Sin qu'on n'a pas vu beaucoup en ce moment dans le tournoi. Il a été régulièrement ban. Pas toujours, mais en tout cas régulièrement. Et c'est vrai que Lee Sin, on l'a pas trop vu. On en a vu peut-être un hier avec Lévia, il me semble. Je préfère clairement un Ekarim, en tout cas, quand on se dirige vers le late game. Après, Lee Sin qui peut vraiment faire des choses aussi. On aura donc un désengage avec son ulti. On aura Poppy qui pourra engage. On aura, attention, Ryze, hein, on l'a vu à quel point ça peut être puissant. Ryze qui a fait la game avec son ulti, on le rappelle, dans la demi-finale, la game juste avant le backdoor à l'ulti. Alors qu'on va rentrer, ça y est, dans les 3 minutes de délai. 3 minutes qui me permettent maintenant de secure les summoners spells, bien sûr, qui sont cachés en live, qui peuvent maintenant être dévoilés. Sans grande surprise, on aura un flash ghost sur les deux midlaners. On aura une TP, bien sûr, en top lane. On aura un heal sur les ADC. Et on aura une exhaust du côté des deux supports. Du coup, on est pile miroir. On a les spells par défaut, j'ai envie de dire, sur les deux équipes. Effectivement, je ne sais pas du tout ce que peut nous dire Pavilju. Il a l'air de parler une langue lointaine de l'Est. Allez, du coup, les deux compositions qui sont full pour cette finale, on le rappelle. On espère que vous allez être chaud bouillant dans le chat. Vous devez être présent pour cette grande finale. On va quand même lutter pour 3200 RP de prize pour chacun des 5 joueurs qui sera
dans l'équipe des gagnants. Il y a quand même un prize loin, loin, loin d'être dégueu hein, pour le perdant de cette finale. On a tout simplement 2400 RP pour donc de toute façon consoler l'équipe qui perdra cette finale. Gros prize hein, ce soir sur cette Holy Christmas. C'est le jour de Noël chez Holy Six. On est comme ça, on vous caste cette grande finale donc, qui va se voir délivrer les 3200 RP. Et j'aime bien la composition FLG aussi, avec quand même encore une fois un late démoniaque avec cette Vayne, hein, on l'a vu, qui quand elle se met bien, ça rigole zéro. Elle est revenue d'assez loin, le Chaco qui avait essayé un petit peu de la target en demi-finale. Et on aura un Ekari Maokai pour tanker. En plus de ça, on a la fameuse Shockwave sur Ekarim de la part d'Oriana. Allez, moins d'une minute, c'est parti. N'hésitez pas à donner vos pronostics pour cette finale. On le rappelle, au cas où vous hésitiez, c'est bien un BO1 ce soir. On est en full BO1, hein. C'est marqué sur le tournoi, tout simplement. Si vous allez sur Battlefy, slash Holy Six, vous trouvez tous les tournois disponibles actuellement pour notre structure. Et vous pouvez voir les règlements, les équipes et le bracket, bien sûr. Ok, déjà t'es pour lui juste parce que KS, c'est stylé comme nom, on est d'accord. Le nom qui envoie déjà en soi les capachos. Allez, encore quelques secondes. Eh oui, ça vaut tout l'or du monde, effectivement. Pendant que ce qui donc souhaite fair play, pendant que ce qui souhaite le good luck aux deux équipes. Effectivement que le meilleur gagne, on espère vraiment qu'on aura en tout cas une belle victoire. On a envie de voir une belle victoire du jeu du côté des deux équipes. Et si possible, éviter d'assister à un stomp, ça pourrait être cool. Ouais, c'est chaud en BO1 effectivement. C'est vrai que le format BO3 uniquement pour la finale pourrait être intéressant. Ce qui donnerait un petit côté plus, on va dire, plus fair. Parce que bon, c'est vrai que se faire avoir peut-être sur une game, ça peut être délicat. Et on a du gros cadre, on a du gros cadre côté Capacho. Et c'est pas étonnant de les retrouver en finale de ce tournoi. Deux cadres Challenger. Alors est-ce que c'était du 3v3 ou du 5v5? Allez, la game, ça y est, qui charge très rapidement. On se fie pas au cadre, bien sûr. Hein, les cadres sont pas vraiment informatifs, hein, vu qu'il y aura sûrement pas mal de smurf dans le tas, bien évidemment. Par contre, on n'a pas de masterise sur la Janna. On n'a pas de keystone. Alors là, par contre, il y a un souci. Est-ce qu'il n'y a pas eu un bug là? Parce que Janna sans keystone, être vraiment assez horrible. Donc apparemment la game qui a l'air de se jouer. C'est bizarre qu'ils aient pas dodge pour relancer. S'il y avait un problème de switching de masterise. Alors apparemment ça ne gêne personne. Donc on va dire que c'est normal. Et on va actualiser puisqu'on est maintenant dans la grand final de ce tournoi. Et ben voilà, on est bien. Il y aura évidemment, pour pas changer, aucune invade, hein, pas le droit à l'erreur sur ce début de finale, grande finale de l'Holy Christmas. Et je m'en doutais, on a un petit souci, une pause qui est intervenue. Alors est-ce que du coup, ça y est, ils ont remonté le problème de la Janna? On va voir ça. On va revenir sur le salon, ne vous inquiétez pas, c'est bel et bien la grande finale. On va mettre la petite notif de game pause.
On est bel et bien. Déjà en finale, on a eu un petit souci. Alors je ne sais pas du tout d'où ça peut venir pour l'instant. Je pense que le seul souci, c'est que j'ai vu aucune keystone sur la Janna. Ok, bah n'hésitez pas du coup à chatter un petit peu à nouveau avec nous sur Twitch. Ça y est, Pavi juste qui commence à s'exprimer en anglais. De pas trop spammer quand même hein. Les petits numéros et on a un souci, le souci je sais pas trop d'où il vient. Ouais effectivement hein, ça peut être un gros problème ça quand même, c'est quand même un peu nimp hein. Donc apparemment la game qui va se relancer, on est reparti sur le live et merci bien sûr. Salutations à tous ceux qui nous rejoindraient sur ce live. Hein. Holy Six tournoi, Holy Christmas, c'est la finale. Hein. Vous arrivez au bon moment. L'ultime match BO1. On a ces deux équipes, donc les Capachos en blue side. On leur redit une nouvelle fois les Flanagan qui seront en red side. Et la game qui se poursuit malgré le problème de la Keystone absente sur Janna. Alors je vais remettre. Évidemment, les personnages au bon endroit. Effectivement, ça peut vraiment être problématique. Alors, est-ce que c'était juste un bug d'affichage ou est-ce que c'était vraiment concret? En tout cas, on va voir ça. En tout cas, on est parti, mesdames et messieurs, finale de cet Holy Christmas. Ultime match, on le rappelle, en BO1. Pas le droit à l'erreur, ça va jouer très safe sûrement dans cette finale. On le rappelle, 3200 RP pour chacun des 5 joueurs gagnants. Et déjà en train de poke gentiment au mid sur le Ryze. Et ouais, c'est ce que je craignais. Pardon, Casta qui nous confirme. Apparemment, c'est a priori pas de masterise ouais, sur Janna. Et le problème c'est qu'au-delà de la Keystone, c'est s'il n'a pas du tout pris de mastery, c'est très problématique. Ça n'en sera que plus beau peut-être pour les FLG. De la part aussi de l'ERA, merci bien au staff. Effectivement, donc ils auraient pu dodge, ils auraient dû peut-être dodge ce problème de mastery. Ça n'a pas été le cas, du coup, la game mais qui se joue. Oh, attention à l'invade hein, quand même. I Maokai qui est très très low, qui était venu un petit peu prêter main forte en jungle là sur Louis Karim. Duel de top laner encore pour paraphraser notre cher Levia qui aurait été là. Duel parfaitement débile au top. Et il aurait pas eu tort, effectivement le duel qui est pas oufissime. En tout cas qui est très passif, hein. On va pas forcément s'amuser à regarder ça au top. Et forcément la caméra qui va nous mettre ça en priorité. Et le push qui est violent hein, côté bottom side, on est déjà en train de faire tomber cette tourelle. Et le manque de mastery qui va, encore une fois on le répète, va quand même porter préjudice énormément
Cette Jana et Karim qui arrive et qui check le buisson tranquille au calme. Il y avait Lissine quand même dedans aussi. On va peut-être repartir. On va poser une ward. Magnifique skin sur Ekarim. Jolie imitation. Non, très mauvaise. Heureusement que Lévia est pas sur le live, hein, bien sûr. Sinon, il se serait outrageusement offusqué. Ah, mais là, il aurait été démoralisé clairement ce soir. Il aurait vu deux nouvelles Poppy pour le dernier match. Aurait été assez horrible. Allez, du coup, Lee Sin qui doit faire le café en early. Il faut qu'il mette de la présence. On a barcode au mid. On sera obligé de l'appeler comme ça. On ne sait pas trop qui il est. Barcode en tout cas qui s'en sort bien face à cette Orianna clairement. Et Karim qui veut tellement mettre la pression sur cette bottom lane. Il va prendre la petite connexion. On a une TP carrément de Poppy qui a quasiment TP tout derrière le first blood sur la Janna. Et c'est vrai que toute la game il y aura un souci à savoir est-ce que ça va vraiment peser énormément là du coup le manque de masterise. Et la TP qui doit être sanctionnée au maximum. Et du coup, Maokai qui est en train de pusher au maximum. Hein. C'est pas évident avec Maokai. De l'autre côté, on est en train de faire en plus de ça un Drake du côté des KS. Un Drake des montagnes hein, qui en plus de ça est quand même un gros Drake. Un Drake qui va être validé tranquillement. Qui est validé par les KS. Il faut évidemment prendre l'avantage maximum. C'est plutôt pas mal, c'est pour ça que c'est toujours pas mal hein, prendre des kills bottom side. On peut enchaîner sur un objectif neutre, en l'occurrence surtout le Drake bien sûr. Déjà sur un switch de lane, forcément, on a pris très rapidement cette tourelle. Hein. First tourette qui a été prise, bottom side, pardon, synonyme de switch instantané. La bottom lane qui va évidemment mettre la pression maximum maintenant sur ce Maokai. On va essayer de prendre rapidement cette T1 top pour ensuite faire une rotation au mid, tout simplement. Oh, il s'est fait lock encore. Hein. Il est en train de prendre quand même pas mal la pression, hein, cette Orianna. Orianna qui farme pas mal, hein, toujours légèrement en avance au niveau du DCS. C'est le cas globalement sur presque toutes les lanes côté FLG, sauf en bottom side où Caitlyn est en train de se mettre super bien. Et la Poppy qui est revenue top. Maokai qui ne peut absolument rien faire sur cette arrivée de la Poppy, puisque du coup, dans un format 3v1 avec un stun contre le mur, ça fait mal. On se follow up du côté de la Janna. Des caches qui sont assez insane hein, côté du Ryze. Attention, Ryze qui va prendre la shockwave. Il arrive et Karim, il a fait un ulti. Et ça va sûrement faire peut-être le kill. On va le récupérer. Il manque une auto-attaque. Il s'est pas passé. Oh là là, Lee Sin derrière qui va récupérer tout ça. En plus de ça, il a pu récupérer la Orianna. Ça va s'arrêter là. Beaucoup de ressources. Et Karim qui avait quasiment suivi malgré le flash out du Ryze, ça ne suffira pas. Et Ryze Barcode qui s'en sort avec rien du tout. Ah, c'était chaud hein, pour l'instant. Maximum réussi du côté des KS. Des Kappa Show. On a du mal en plus de ça à refaire surface côté FLG. On est en train de se faire pusher puisque on est déjà mené deux tourelles à zéro. Et on sait à quel point la prise de tourelles rapide maintenant dans les games est synonyme de glissade hein, pour au niveau du snowballing sur une des deux teams. En tout cas en termes de ressources, ça rigole pas. Et on le rappelle en finale, bien sûr, c'est marqué en bas. En finale du Holy Christmas.
énormément de RP qui sont distribués hein, sur ce tournoi. On espère que vous appréciez quand même hein, ces deux matchs de ce soir, on le rappelle. On a pris l'antenne dès les demi-finales, tournoi qui se déroule donc depuis hier, tournoi de Noël. On fête Noël bien sûr avec vous chez Holy6. Et on vous souhaite bien sûr à tous de très très bonnes fêtes hein, de fin d'année, ce week-end Noël, puis le week-end d'après, la Saint-Sylvestre avec bien sûr le nouvel an qui va bien. De bonnes fêtes et bon courage à tout le staff une nouvelle fois hein, qui nous permet de réaliser hein, même si je suis bien sûr en live, il y a tout le staff qui fait le taf hein, derrière. Et Maokai qui a pris l'assaut stop lane. Et merci, merci à toi Pandox bien sûr. De très bonnes fêtes à toi et à tous ceux du staff. On n'oublie pas aussi hein, tous les modos. Oh la shockwave qui a pas permis de récupérer de kill, on a pris, c'était un middle lane. Et en plus de ça c'est tellement cadenassé pour l'instant par les capachos qui en fait ont pas l'air d'être en difficulté, ils prennent les objectifs et ils sont pas sanctionnés. Et c'est ça le plus dramatique. Aïe aïe aïe, il se fait tellement lock Maokai, il peut pas s'exprimer là dessus. Ah la petite émote hein, de Noël qui proc sur cette Poppy. Le petit Poro Ellie qui s'est fait plaisir, un petit kill hein, au passage. Et c'est cette T2 middle lane qui est en train de tomber. La game qui est en train d'être ouais, d'être complètement maîtrisée hein, en fait par les capachos à l'heure actuelle. Ouais, sinon je disais merci aux modos, on n'oublie pas aussi nos modos streamers hein. On a aussi Ferlina, hein, responsable de la web TV. On a aussi Olivina, on a Pandox aussi qui est là aussi. Tous les modos hein, qui sont là pour le groupe Facebook LOL d'ailleurs. J'en parle en passant, pardon. On a un groupe Facebook LOL hein, si vous voulez aller trouver des mails ou passer des annonces. N'hésitez pas. Et on a pris la tourelle hein, quand même côté de la Vayne. On essaye de faire ce qu'on peut à l'heure actuelle. 4 tourelles à une. En tout cas, on en a au moins récupéré une. En termes de gold d'écart, on n'est pas si loin hein, dans l'absolu. Donc c'est pas mal. Et ben salut à Roger. Salut à toi. Et bon jeu. Et Pandox qui te tiendra au courant. Au pire, tu regarderas la VOD. Les games qui seront disponibles hein, juste peu de temps après le live, bien sûr, qui sera cut. Et Maokai qui va lui aussi valider sa petite tourelle. Hein. Finalement, on va enfin se remettre au niveau des T1. Attention, parce qu'on a un timer de montagne, le Drake des montagnes. Hein. Le deuxième en plus, côté Capacho. Qui vous link effectivement ce groupe Facebook, n'hésitez pas. Et viens dès nous rejoindre. Allez, on va pocher au mid du côté des FLG. On a du mal à faire surface pour l'instant, c'est cadenassé, on le disait, un côté des KS. C'est vrai que c'est pas mal quand on dit KS. Et surtout, on est en train de tellement mettre bien cette Caitlyn à l'heure actuelle en 2-0. On est déjà en train de faire l'IE. Attention par contre. Bah ok, c'est parti. On a mis la Shockwave. Lee qui est en train de se désengage. Vayne qui va le récupérer grâce à l'ulti. Fox Me Heard qui est en train de faire quelque chose de pas mal. Hein. Par contre, il va se faire full lock. Ah, dans les gencives, ça fait pas du bien. Hein. Il s'est un petit peu mis de côté et on a tout pris. La Poppy qui l'a hardlock là-dessus. On a pris un ulti de la part de la Caitlyn. Ça fait pas du bien. Barcode, attention, qui est assez low. On est obligé de désengage. On a mis beaucoup de choses sur le Lee Sin. Après, on est un petit peu obligé côté FLG à l'heure actuelle. Et Karim qui va peut-être récupérer. On a quand même le shield monstrueux sur notre ami Barcode. Et ça va même pas récupérer le kill, malheureusement.
Karim qui peut pas s'exprimer, il est en train d'essayer de rusher cette Triforce, il ne l'a toujours pas à l'heure actuelle. Et Karma qui arrive à déjà foutre le bordel rien qu'avec son spell. Route, allez, directement Maoka qui rentre dans le fight. On a peut-être Poppy qui a pas pu désengager avec son ulti, s'est fait calmer. Maokai qui a récupéré déjà la Caitlyn, c'est peut-être le reverse. On sait que c'est les professionnels du retour dans la game du côté des FLG. Ils nous l'ont fait en demi-finale. Est-ce que vous pensez que les FLG peuvent retourner cette finale? Attention parce qu'on a quand même deux montagnes, hein, encore une fois du côté des KS. Et par contre on est en déroute sur ce fight. Et c'est déjà bien de voir une réaction du côté des FLG sur ce fight. Très beau fight à réaliser là, on s'est rebellé, on a récupéré quelques kills et on reste à portée de gold au niveau des FLG. Dans cette finale qui n'est pas terminée hein, pour l'instant, avantage clair et net au KS à l'heure actuelle. Allez, la petite plante, le bon petit pollen qui permet bien sûr de sécuriser la zone de la river. Important d'essayer de mettre le pollen dans le petit bush pour essayer d'avoir la vision, bien sûr. Deux équipes qui sont un peu en train de se regarder. On sent qu'on est en finale. On a beaucoup moins de spectacle, hein, malheureusement, qu'en demi-finale, surtout côté FLG. Obligé d'essayer Turtle. Hein. On sent que si on tente trop de choses, on a tenté un move tout à l'heure, c'est pas trop mal passé. Mais c'est vrai que pour l'instant, on hésite. Hein, les initiatives qui sont délicates. Attention, Maokai qui se fait quand même full lock. Et le Ghost qui a été craqué. La Shockwave qui a pris 3 personnes dans le bac. On a mis une téléporte de la part du Rise pour récupérer la team dans le bac. C'est très bien joué de la part de KS. Pour l'instant, les KS qui sont en train de faire le job. Q-Spell de Lee Sin qui va peut-être récupérer la Janna. Janna qu'on rappelle sans masterise. Malheureusement, il y a eu un bug. Ce qui malheureusement un petit peu, on va dire, déstabilisé le trade hein, en bottom side, clairement. On va pas s'en cacher, la T2 qui va être récupérée en top lane. Et là pour l'instant fight très très bien orchestré côté des KS. Et on refait surface, c'était important, là on venait de se faire un petit peu reprendre hein, sur des escarmouches juste avant. La Poppy qui va aller dedans, ça y est c'est parti. On est en train de zoner tout le monde pendant que la team est en train de faire le job. Il est là pour ça Poppy, il va tanker. Et cette T3 qui a été prise. Et le coup de marteau hein, qui fait plaisir hein, pour ramener tout le monde dans la base. Et ça va désengage comme il faut. En tout cas, ça sécure cette prise de T3. Et c'est pas si mal, hein, mine de rien, pour l'instant. Mais ce sont les KS hein, qui maintiennent cette légère avance. Hein, mais on sent que les FLG sont en position hein, de revenir. Je sais pas si vous pensez, vous sur le chat, qu'il y a moyen pour les FLG. Je sais qu'il y a quelques personnes qui les soutiennent. C'est vrai que c'est le moment hein, d'être derrière eux à fond. On sait qu'ils sont peut-être aussi sur le live. Ils sont là, ils ont besoin du soutien. Il faut qu'ils turtle. Ils ont la compo hein, pour faire quelque chose de toute façon. Ah, elle s'est fait un petit peu troll. La Janna qui s'est retrouvée toute seule. Après la petite plantounette. Attention Maokai qui s'est retrouvé en 2v1. Il se fait lock, il est en train de prendre super cher. On est arrivé du côté du Ryze, le backup est là. Et attention parce qu'on est en train de prendre super cher. Faudrait pas se retrouver en 4v5. On est en train de tout mettre par contre du côté des KS. Maokai qui a bien temporisé. Le flash in carrément de la part du Ryze. Ouh là là, on va lock. Il y a une petite rédemption qui est partie là. K-pop gentiment au milieu du fight. Oh, c'est un petit peu triste de voir que Lee est en train d'harceler cette pauvre Janna qui va s'en sortir. Le kick, il n'y a pas eu de Q-spell derrière. Et on est en train de faire un Drake infernal qui est validé. Et malheureusement tous les Drakes qui sont en possession de cette équipe des KS. Et Karim qui va se faire slow. Heureusement, il y a le trap. Par contre, Vayne qui a pris super cher. Obligé de flash heal instantanément.
Fox Me Hard qui va s'en sortir pour l'instant. Maokai qui est là pour tanker encore. Il y a beaucoup de contrôle, hein. Il y a énormément de contrôle côté KS. Et Maokai qui se fait free poke depuis tout à l'heure. Ça doit être assez horrible, hein, ça, de toute façon. Ouais, effectivement, on croirait un peu le stream anglais. Effectivement, on a beaucoup de gens qui s'expriment en anglais. Beaucoup d'anglophones sur le chat avec nous. L'équipe qui va bien sûr se remettre d'aplomb avec cette rédemption. Et on voit le heal que ça a donné, la range. Et on est parti pour le siège du côté de cette équipe de KS. Oh, la shockwave sur deux personnes. On va temporiser avec la Poppy qui était devant. Elle a bloqué toute la front lane. On va balancer un marteau. On a ramené quelqu'un loin du fight. Attention côté KS, du coup on a temporisé, mais on est en train de prendre super cher. Maokai qui tombe tellement, il a carrément flash in, il est allé récupérer Poppy, mais attention parce qu'on n'est plus en train de pile les la front la, la backline, pardon. Maokai qui se retrouve en 1v4, il pouvait plus rien faire. Maokai qui a fait son job, malheureusement derrière on est tombé déjà côté de la Vayne, et ça fait un 2 pour 1, c'est pas si craignos. Oh, par contre on se fait full lock et Karim qui est obligé d'aller quasiment se donner. Il a voulu essayer de finir le Lee Sin, ça passera même pas. Ryze qui la lock, ça fait trop le taf. Allez, l'ulti de Ryze pour essayer de se déplacer. Et qui va évidemment servir aussi dans la jungle au passage. On va récupérer un red buff. On va aussi aller piquer tous les camps. Deny un peu tout XP hein, pour CFLG qui vont défendre. Et c'est le problème quand on est en train de défendre. On n'a plus d'impact hein, sur la jungle. On n'a plus de vision quasiment. On est obligé de rester dans la base. Et on n'a plus d'XP dans la jungle. C'est le moment où on a vraiment le seum d'être jungler. Alors, on est quasiment pushé, donc on peut pas trop steal l'XP sur la lane. Et en plus on n'a pas du tout de camp de dispo. Oh, Casta qui nous fait la joie de nous follow. Et merci également à Casta du coup pour le follow. Non, en fait c'était la moindre des choses, rigole. Je rigole bien sûr, Casta, notre responsable event, tout simplement chez Holy6, qui chaperonne un petit peu tout ça. Et heureusement qu'on l'a avec nous hein, dans le staff, elle est là. Et elle nous permet également de... souvent translate hein, la partie en anglaise aussi. Et merci bien sûr à Lera aussi qui est dans les parages, qui nous transmet toutes les infos, qui est responsable des admins, des tournois, responsable tournoi tout simplement. Allez, on est en train de clean toute la vision dans le pit. On veut évidemment deny les possibilités de counter Nashor. C'est la finale, oui. Effectivement, Pandox qui a été très rapide. Effectivement, c'est la finale de cette Holy Christmas Collab Year Master qu'on resalue, puisque je m'en rappelle très bien qui était là hier déjà avec nous. Et qui revient au parfait des moments, puisque c'est pas loin d'être l'épilogue. Attention, on va avoir un fight peut-être décisif là-dessus. Les FLG qui n'ont pas vraiment le droit à l'erreur, malheureusement. Encore une fois, Maokai qui se fait suprazoner. En fait, une fois qu'il invade, une fois qu'il engage. Il se fait full lock, il a du mal en fait à se faire follow up hein, forcément. Côté des FLG, on a du mal. Du côté du Hecarim, on est tombé rapidement. Le problème c'est que la frontlane qui tombe sans que la backlane ait le temps de faire du DPS. On a fait un ulti de la part du Ryze, on va récupérer l'inhibiteur. Et malheureusement c'est en train de se diriger vers un push des tourelles Nexus là-dessus. BO1, oui, tout à fait. Malheureusement, on n'est pas loin de l'épilogue de cette game BO1 sur cette finale de Holy Christmas. C'est les Capacho en blue side qui sont en passe de s'imposer pour l'instant, à moins d'un reverse de l'infini, j'ai envie de dire, là, du côté des FLG, qui nous ont fait hein, une belle remontée des enfers dans la demi-finale qu'on a commentée juste avant. On croit légèrement encore en eux. On espère qu'il va se passer peut-être quelque chose. On l'espère. En tout cas, on le croit. C'est encore possible. En tout cas, on va essayer sur un fight. Il faut que le focus soit bon. Le problème, c'est vraiment cette difficulté d'aller chercher
tout simplement la Caitlyn. Hein. Caitlyn qui a une range pas permise, Ryze qui bloque tout le monde, Lee Sin qui est devant. Ouais, la Poppy qui fait un taf de malade aussi. Hein. Et Maokai qui a un bon farming, mais qui était derrière. On voit deux items de compléter. Hein. Après, remarque la Poppy qui est en train de terminer aussi. Ouais, qui nous a fait un mix entre un Randouin et un Visage Pi hein, pour l'instant. Allez, du coup, on va essayer de turtle. On va attendre de voir ce qui se passe si on peut rusher du stuff côté FLG. Par contre, ce coup-ci, il va falloir y aller. Hein, ça a été call. Hein, on le sait très bien. Attention, là, Oriana qui est en top side. Et le Nashor qui fait beaucoup trop rapidement. Double montagne, on le rappelle. Et la TP de Ryze qui est en train vraiment de carry. La game précédente qui avait déjà été carry par un Ryze. Un ulti de Ryze qui avait fait un backdoor. Et là, on a récupéré la Vayne. Et normalement, ça peut être la game là-dessus. Et Karim obligé de back. On empêche le back du côté de la Janna. Ça sent la fin de game, hein, forcément. Ah, le flash carrément de la part de la Poppy qui a évité la shockwave qui va balancer la Oriana qui va temporiser. Là, c'est la game. C'est la game tout simplement. On a évité à la Karma de pouvoir back. Karma qui était en train de zoner deux joueurs. On prend les tourelles Nexus et ça va être la victoire finale qui va revenir. Cette Holy Christmas qui va être remportée. Première édition de Noël rend victoire finale des KS, des Capacho. Qui s'impose de la meilleure des manières, 17 kills à 4. Très très convaincant de cette équipe. Effectivement, là c'est fini.